Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous montrer comment faire des poses pour vos GFX, c'est-à-dire un cœur, un dab, un grand écart ou plein autre. Donc ça c'est la partie 1, donc si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quelle pose voudriez-vous que je fasse? Donc, du coup, bah, c'est parti. Pour le jeu, c'est simple, il faut se rendre sur le jeu Catalogue Avatar Creator. Et je vais vous faire cette pose. Du coup, c'est parti. Donc, il faut cliquer sur la tête et puis bouger avec le truc bleu. Puis, vous allez cliquer sur le bras. Et après, vous allez le faire bouger. Donc, je vais mettre le doigt pour vous montrer comment il faut faire. Voilà. Après, donc, il faut faire ça, puis tourner un peu et le monter grâce au truc rouge. Puis faire ça et après vous allez cliquer sur la main et vous allez le tourner pour que ça fasse un peu la forme d'un cœur. Donc le mien est un peu claqué au sous-sol hein, l'image de truc, mais il était un peu claqué. Vous pouvez mieux l'arranger vous, mais moi c'était juste pour vous montrer. Donc après vous mettez, donc voilà, c'est super facile, vous faites après la même chose, mais sauf que c'est pour l'autre côté. Du coup voilà. Voilà pour le résultat, passons à l'autre pose. Donc vous devez cliquer sur la jambe. Et puis grâce au bleu, vous allez faire nous faire monter pour que ça fasse un grand écart. Donc voilà, vous faites la même chose pour l'autre jambe. Voilà, et du coup après les mains elles sont un peu dans les jambes. Pour pas que ce soit ça, vous allez dans le bras et vous faites bouger grâce au truc vert. Désolé, ça avait bugué. Vous pouvez aussi faire monter un peu avec le bruit. Bon, je vais vous laisser avec le petit son et les flèches et je reviens vers la fin. Donc voici le résultat et je vais vous montrer le dernier qui est bonus. Donc pour le dernier bonus, je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous devez aller dans le catalogue. Donc voici le résultat, j'espère que vous l'aimez. Et voilà. Du coup là je voulais essayer de faire avec un ballon de foot, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et de regarder mes anciennes vidéos. Je vous tiendrai au courant quand il y aura le concours de Robux. Et bye tout le monde!